Me llamo Karim, estoy aquí en Quebec y me gustaría hacer récord Guinness de 21 kilómetros sobre la nieve y hielo. Je viens d'un petit village de Madrid. Maintenant, j'habite à Bromont. Je commençais à faire la course à pied depuis 2010. Mais la course à pied sur montagne, j'ai commencé en 2013. Et moi, depuis que je suis petit, j'ai aimé courir à nu pied. Donc après ça, j'avais une époque où je commençais aussi à courir avec souliers. Mais finalement, j'ai retourné à courir à nu pied parce que qu'est-ce que je sens à nu pied, c'est vraiment incroyable. Sentir la nature, la rivière, le roc, c'est vraiment cool. Dans le fond, record Guinness maintenant de façon officielle, c'est de Wim Hof, c'est 2h16. Mais fait quelques semaines, la fête en Norvège, 1h45. Donc mon objectif, c'est de courir 21 km en 1h30, 1h25, 1h30, 1h35 maximum. Mais... Ben, les inquiétudes, c'est que là, il s'aligne sur un record Guinness. Et là, hier, ben, il a plu. Puis aujourd'hui, il fait avec le facteur vent proche de moins 20. Là, t'sais, fait que ça bouleverse un petit peu la belle petite neige qu'on avait, super clean, super propre. Fait que là, sur le lac, écoute, c'est lui qui va boire, là, mais... moi, il me semble que ça vient de monter le degré de difficulté de 3 niveaux, là. Mais c'est full de glace, là, c'est un problème. OK, demain matin, on va venir avec 2-3 pelles, puis on va essayer d'arranger tout ça. C'est juste, ça m'inquiète si je vais réussir de mon trip parce qu'il faut que je ralentisse vraiment beaucoup. C'est vraiment glissant. Mon pied, c'est vraiment glissant, mais c'est correct. Donc on va ça y est. Il connaît bien ses limites, tout ça, fait que d'après moi, s'il va, ben, ça veut dire qu'il est parti pour l'avoir. Allez, 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 allez! Le retour aux sources, le retour aux pieds nus nous a encore une fois toujours un peu intrigués et questionnés. Et là, on a Karim, en fin de compte, qui tout d'un coup décide de s'adapter à du pied nu et s'adapte très bien. Et l'hiver québécois arrive, lui c'est un Espagnol, puis il dit « ben je vais essayer de m'adapter ». Et là, finalement, il s'enligne sur un demi-marathon sur la neige pieds nus quand il vient de l'Espagne. Fait que la fameuse adaptation du corps humain nous interpelle constamment. Je connais bien ces limites, ça fait que d'après moi, ça va.